La plateforme Polurisk est une plateforme dédiée à l'étude des impacts de la pollution atmosphérique sur la santé. Cet équipement est basé sur un principe de détection qui est la spectrométrie de masse et il est couplé à la chambre de simulation atmosphérique qui est le cœur de la plateforme et qui permet de reproduire une atmosphère, par exemple l'atmosphère d'une ville francilienne de telle à telle période. L'objectif, c'est d'évaluer les impacts d'atmosphères réalistes complexes sur la santé en utilisant des modèles précliniques et ou des cellules pour voir les mécanismes un petit peu plus fins au niveau moléculaire. On voit combien il y a de sulfate, de nitrate, quelle est la part organique à l'intérieur de ces petites particules. Et ça permet de voir quelle est l'origine, si c'est produit par de la combustion de biomasse, par des émissions du trafic ou des choses comme ça. On en est actuellement à la 16e campagne d'exposition, en sachant qu'une campagne peut s'étendre jusqu'à 2 mois, impliquant une quinzaine de personnes en général, que ce soit des personnes du côté qualité de l'air ou des personnes du côté biologie. Le dispositif SESAM il s'inscrit clairement dans les actions marquantes de la région pour toute la communauté des enseignants-chercheurs et des chercheurs. Ce dispositif, clairement, ça nous a aidé à monter ce projet interdisciplinaire parce que c'est vraiment là le cœur de la plateforme Polurisk. Il y a déjà plusieurs équipes, que ce soit au niveau de la région, différentes équipes INSERM, aussi au niveau national et même international qui y ont recours. Et c'est vraiment ça l'objet de cette plateforme.